Ok, merci. Nous sommes en train de visiter le jardin des femmes. Un jardin installé avec l'appui de Ventabrun, Ventabrun. Parce que nous avons un système d'irrigation très adapté aux femmes. Très adapté parce que le puits a une profondeur de près de 20 mètres. Hein? Plus de 20 mètres. Et s'il faut tirer l'eau de ce puits-là pour arroser le jardin, je crois que nos bonnes mamans ne pourront plus préparer le repas pour leurs enfants et leurs maris. Mais cette installation qui est mise en place permet seulement de prendre l'eau avec un seau, un arrosoir d'une profondeur de 0,50 m et de pouvoir arroser le jardin que nous sommes en train de visiter. Et ça, nous vous remercions. Et je l'avais dit auparavant, le développement est un tout. Mais le village de Tanlili, comparé à d'autres villages, nous ne dirons pas qu'il est en voie de développement. Nos amis de Ventabrun diront que Tanlili est en voie de développement. Mais comparé à d'autres villages, Tanlili a décollé et est en train de se développer. Parce que nous avons vu des actions menées au profit des populations pour améliorer leurs conditions de vie. Si nous prenons l'exemple des enfants parrainés, on parlait de 40 enfants. Je crois que c'est un accompagnement idéal pour permettre aux enfants, des pauvres, qui ne peuvent pas payer les études de ces enfants-là, de les voir un jour président de ce pays, ministre, député ou maire. Ça, il faut qu'on vous applaudisse pour ça. Et pour nos mamans, qui devaient être assis, peut-être en train de tresser des cordes, aujourd'hui, elles fabriquent le savon bio, elles arrosent un jardin, elles produisent du jardin bio. Et je crois que les repas sont en tout cas améliorés par ces productions-là. Et nous vous demandons davantage d'élargir votre champ d'action. On ne vous dit pas de nous imposer votre développement. Demandez-nous nos besoins réels pour que nous vous exprimons nos besoins afin que vous puissiez nous accompagner idéalement pour un objectif noble. Alors, dites à mon collègue maire de Ventabrun que j'attends la chaîne de retour. Lui, il a visité ma commune. J'espère qu'un jour, je visiterai aussi Ventabrun. Je vous remercie. Thank you.